Salut, c'est Barof, bienvenue pour un nouvel épisode de Resident Evil 4. Alors, petit résumé, on a parcouru le labyrinthe dans le précédent épisode, entre autres. Hein. On s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti, on a fait la connaissance de chiens-chiens pas très gentils. Mais bon, finalement, ça s'est bien terminé. Et donc, on poursuit notre périple à la recherche d'Ashley, qui a été faite prisonnière par le méchant Salazar. Alors, on va regarder le plan d'abord. Donc, il faut qu'on prenne cette partie-là. Ah oui, vous allez voir ici, c'est une vraie partie de plaisir aussi, là. Vous voyez l'étoile, là. Passage obligatoire. On n'a pas le choix. On est obligé de passer par ici, de toute façon, qu'on veuille le trésor ou non. Donc, on va se marrer un peu. Au niveau de l'armement, on fait le point. Voilà, on est à sec, on est à sec et on est à sec. Ok, c'est cool. Allez, on avance. Alors, qu'est-ce que ça donne par ici? Personne, très bien. Ok. Examiner, ça n'a aucun intérêt, hein, ça parle de bouffe, je crois. Enfin, herbe verte, je prends. Je ne serais pas contre quelques munitions aussi, mais autre que celle-là, pardon. J'aurais dû dire avant. Non, le fusil, s'il vous plaît. La viande nourrit la chair, voilà. Vous voyez, aucun intérêt, c'est ce que je vous disais. Donc il faut qu'on puisse passer par ici et nous occuper du coffre qui est là. Alors, pour ça, il va falloir que. Tiens, déjà, on va faire un tour par là pour voir ce qui se passe. Là, il n'y a personne. Peut-être qu'on va pouvoir récupérer des items maintenant. Ah non, là-dedans. Bon, des sous, enfin. Là, ici, où est-ce qu'on arrive? Bah, remarquez. Eh, il y a peut-être moyen de faire le plein, tiens. On va ouvrir. Le plein d'argent. Bon, non, je parlais de munitions, encore une fois. Ah, là, là. On va faire attention parce que de mémoire, dans cette pièce-là, il y a un serpent. Alors, on va voir cette caisse. Surprise, motherfucker. Non plus. Ah, ça c'est bien. Ok. Ensuite, là non, il n'y a rien. Ici, herbe verte, on prend. C'est marrant parce qu'on entend les corbeaux. En général, les corbeaux, c'est bon signe, hein. Je vous rappelle que. Ah, bouf! Hop, 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 hop. Je m'attendais tellement à ce qu'il soit dans une caisse. J'ai eu un réflexe, heureusement, de remettre le deuxième coup de couteau, mais. Bon, c'est bien, on l'a eu. L'essentiel, il est là. Hop, très bien. Ici, il n'y a plus rien. Donc, vous vous rappelez dans un des épisodes précédents, quand je vous ai dit que j'essayais de péter un cadenas en passant à travers la porte, bah c'est celui-là en fait. Hein. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Hop. Et là on se retrouve où? On a une sauvegarde en face. Ouais, ça vaut le coup d'aller sauvegarder quand même. Ça vaut le coup parce que. On va avoir fort à faire juste après. Allez là, sauvegarde. Ouais. Allez hop. Voilà. On va tenter de voir à gauche ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ou pas? Ouais. Non, mais ici c'est pas intéressant. Pour l'instant, en tout cas, aucun intérêt à passer par là. Allez. Donc du coup, hop. Voilà. On passe par ici. On va affronter. C'est comment dire vraiment une des de mes. De mes c'est un, de un des endroits que j'aime le moins dans ce jeu. Mais bon, pas le choix. On sonne. Donc on a un indice quelque part, je sais plus. Qui nous parle de. Zut.
fait, du verre de vin, enfin du vin, ou je sais plus quoi, enfin bref. De toute façon, hop, je sais ce qu'il faut faire, il faut... Bon, puis ça se voit en plus. Hein. Bon, il faut tirer, correctement. On voit le verre est en relief en plus, mais quelle naze, sans déconner. Voilà. Qu'est-ce que j'ai été nul sur ce coup-là. Bon. Ok, alors... on prend ça. Ouais, on va commencer vers un verre. Je suis en train déjà, avant d'attaquer, je suis en train déjà de mettre en place une stratégie qui ne fonctionnera évidemment pas. Hein. Mais bon, on tente quand même. Là, je vais tenter d'aller chercher la grenade qui est ici. C'est bon. Mais non, c'est pas bon. J'aurais dû m'en douter. Voilà. Et en plus, pour bien faire, on a ça. Alors. Oh la vache, vous voyez? Oh là, la totale. On a la totale de chez Total. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va se soigner pour commencer. Vous comprenez pourquoi j'appréhendais? À mon avis, bon, ne rêvons pas. Je peux vous assurer. Ah, et voilà. Je peux vous dire qu'il y aura une première, au moins une mort. Voilà. Donc, le plus simple, ça va être, dans la mesure du possible, ça va être de péter ce cadenas. Il est où, lui? Hop. Voilà. Après. On se barre. Voilà. Maintenant, on va être mieux. C'est bien, je m'en suis bien sorti, je suis content. Non. Hop. Voilà. On bouge, surtout faut bouger. Hein. Surtout avec les loustiques qui sont. À l'arbalète là. En plus c'est bien ce qui. Il est un petit peu dans la cage, là, il est un petit peu bloqué. Allez, ah merde. Hop, attends. On va pouvoir se le faire. Tranquillou. On va prendre les choses tranquillement. Voilà, oh là là. Il y en a un qui se marre, donc il y en a un qui se balade encore. Je tiens à louper un. Où est-ce qu'il est le mec? Ah non, il est là. Ah oui, il est là. Ok. Alors. Visée lunettes. Bon, il n'y en a plus qu'un, donc logiquement. Déjà, on va s'occuper de celui-là éventuellement. Voilà. On n'a plus que lui. Ah, faudrait pas qu'il sorte. Par où il va? S'il nous tourne le dos, il est mort. Enfin, il est mort, non, mais... Ah. Voilà. Là, normalement... Merde. Il fait suer, hein. Il fait pas ce que je veux. Et puis, je vois pas comment le manipuler, en fait, surtout. Il y a le problème. Voilà. On va essayer de le faire comme ça. Voilà, ouais, je crois que j'ai touché comme ça, là c'est bon. Ah, il manque pas grand chose, pousse-toi. Ah. Ouais, ça c'est bon. Il est ouf. Ah, il est derrière le coffre. Oh, cassos. Oh, cassos. Ou alors, non.
Allez, là. Ah oui, c'était bon là. Ah merde. Bon, c'est bon là. Là, c'est bon. Allez! Ah, il est pas encore mort l'enfoiré. Avec un peu de chance. Il va s'arrêter, il va se tourner, voilà. Allez! Non, il vient pas au bon endroit. Bon, on va faire un truc, tant pis. Ça m'embête. Voilà, ça me fait vraiment chier, mais pas tellement le choix. Hein. Cassos! Ah, là, 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 là. Wow, qu'est-ce qui m'a mis le mec? Ouais, quand je vous disais que je préfère la jouer prudent, il y a de bonnes raisons à ça. Hein. Voilà. Bon, on va continuer la technique la plus safe. Hein. Il y aura sûrement un petit peu de. Il y aura sûrement un petit peu de. Comment on dit ça de. Je vais sûrement couper un peu. Hein. Non, toujours pas. Oh la vache! Enfin! Eh ben non, ça peut être sans mal. Hein. Bon. On récupère la grenade aveuglante, très bien. C'est dommage, j'ai perdu énormément de temps là-dessus. Alors que bon, finalement, j'avais bien démarré la séquence, quoi. À part la première mort, évidemment, mais autrement, j'avais bien récupéré le truc, quoi. Bon, ok, on prend quoi? Qu'est-ce que c'est? On a obtenu un sablier au décor doré, ok. Bon, voilà, super. Tout ça pour ça. Et maintenant, on par là, si je dis pas de bêtises, hein, voilà, hein, c'est ça. Hein. Bah évidemment, il y a encore du monde, rien que pour nous, super. Et là, on va prendre la TMP pour changer un peu. Bah, ah non, 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 bah non, on va commencer au fusil à lunettes, hein, ce sera beaucoup. Oh. Bah oui, autant rater, c'est mieux. Bah alors, oh, mais quel blaireau, sans déconner. Voilà. Non mais. Comment on peut être naze à ce moment-là, hein, franchement. Allez, viens, bah viens, parce que lui, il va. Voilà, il va monter ici. On a le temps de l'attendre. Hein. Alors, j'arrive pas à viser sur le mec. Voilà. Allez. Attends qu'il arrive. Ça y est, t'es mort. J'ai pas l'impression. Allez, viens. Monte. Ah, et puis la bestiole elle est là, c'est vrai. Là qu'elle se balade. Bon, lui là-bas. Non, mais tant pis, la bestiole on va faire comme ça. Autrement, je galère. C'est bon, on l'a eu, hein. Normalement, je l'ai eu. Alors. Thank you.
Faut-tu te dépêcher de mourir? C'est bon. Et il nous reste l'hôtel avec son bouclier en bas là. Et je me demande si j'ai pas. Pardon, j'ai pas encore. Non, c'est bon, je l'ai eu. Bah, toi. On va te finir au petit flingue. C'est pas la peine de gaspiller. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On a nettoyé déjà. Vous avez vu ce qui nous attend de l'autre côté? Je sais pas si vous avez le temps de voir. Parfait. Alors, avant de déclencher tout ça, on va remonter. Je suis un petit peu concentré, hein. J'avoue que là je suis un petit peu concentré parce que... Ah d'accord. On a lui. Ah, pourquoi? Donc lui il n'arrive pas, pourquoi? C'est fermé s'il te plaît. Ah oui, c'est fermé, d'accord. Voilà pourquoi on l'entend mais qu'il arrive. Très bien. Donc je suppose que il risque d'arriver. Comment dire, après le. Une fois que je vais avoir déclenché le pont en fait, hein, qui va nous emmener de l'autre côté. Alors. Ici il me semble que j'avais une amphore ou deux à péter, si ça s'est fait là. Y'a rien à faire, rien ici. Non. Très bien. Allez, on descend. Par contre, c'est dommage. Hop, j'ai perdu ce qu'il y avait là. Le bonus, tant pis. Voilà. Évidemment, ça va être la zone. Je savais hein, qu'il arrivait derrière, mais j'étais occupé avec cela. Voilà, j'avance. Voilà, je voulais éviter d'être. Devoir me battre sur deux fronts, là au moins. Je suis tranquille. Ah merde. Ça c'est fait. Voilà, très bien. Ensuite, il nous reste un qui va sûrement arriver par les escaliers là, qui est tombé. On va le laisser venir. Tu viens ou pas? Toujours pas. Si. On va sauter, on va le chercher. Ah bah c'est bon. C'est bon, c'est fait. Donc maintenant on va passer dans la pièce d'à côté grâce à cette passerelle. Enfin, normalement hein. Voilà, ça, ça tourne à gauche là au bout. Et on devrait pouvoir. Hop 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 hop. Ok. Alors on se tente à ça. Il est où le mec? D'accord, il est là. Attends, attends, laisse-moi le temps de. Ah la vache. Ouais, mourir à se bébir, tiens, va. Donc le voilà. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Je vais être tranquille comme ça? Non, 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 on va pas gaspiller les munitions de snipe. Ça a trop de valeur à mes yeux. Hop. Voilà. Merde. Le mec il a glissé. Il est où? Il est là. Bon bah tant pis, il faut recommencer. Voilà. Enfin ça se calme. Ça fait du bien. Et là, on va apprécier. Ça, j'apprécie. Vous voyez, on prend. Oh, ça, on prend aussi, évidemment. Alors, il va falloir lui trouver une petite place. Mais ça, on va y arriver. C'est pas un problème. Voilà. Bon, alors, on récupère. Oui, ça, c'est bon. Ça. Allez. Oui.
Et puis. Mais pour... Alors, je ne sais pas pourquoi il me met sur non à chaque fois, cette andouille-là. Voilà. Et la petite grenade qui va bien. Voilà, bon, regardez. Hop là. Très bien, parfait. Ok, bon, on va pouvoir remonter. Ah bah non, attendez, il y a ça ici. Petit supplément. Bah ouais, petit supplément, nickel. Ensuite, de toute façon, on ne peut pas. Voilà. On ne peut pas ouvrir cette grille. Donc, du coup, on fait le tour par ici. Coucou. Et on ouvre. Eh, sans déconner. Oh, mais oh! Petit bug de collision. Voilà, alors on continue en face. Ça va, ça se passe bien. On ne peut pas trop se plaindre. On a ce petit trait, c'est un petit peu bizarre ça. Non, bon écoutez, c'est là, on prend, hein. C'est bizarre, mais... Ah, attendez. C'est peut-être un... On a peut-être un petit trésor qui traîne dans le coin là. Non, on n'a rien loupé. Parfait. Ah bon, on va arriver à un marchand et un sauvegarde. Moi j'adore. Ok, nickel. Je vois le marchand. Et puis on continue. Donc on va lui vendre. Non, pas ça. On va lui vendre les deux spinels. Voilà. Bleu velours, on vend. Thank you. Et pour l'instant, ça. Je vais attendre ça par contre, oui, on peut vendre. Ah. Très bien. Ah, excellent. La super méga mallette. Eh ben écoutez, on continue, on va sauvegarder. Parfait. Allez, on poursuit l'aventure. Leon, I got it. Aïe. Mais où est-ce qu'il range tout ça? Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar. We'll make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. Moi, je ne pas trop, hein, pour un mec qui vient de se faire éventrer, mais puissance 10. By Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Asseyez ici quand même un petit peu plus. On voit le sang qui sort. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lewis! Lewis! C'était le premier petit moment dramatique de l'histoire. Doliprane. Alors, 62%, mon Dieu. Ok. Ensuite, on va fouiller un peu la pièce. Voilà, on fait le plein. Ouais, vous êtes... Bah oui, elle est là, elle. Elle est prisonnière, toujours. Bah, elle va attendre 5 minutes. On va d'abord s'occuper de fouiller la pièce. Voilà. On prend tout ce qu'il y a à prendre. Oui, oh. Alors, je vais me dépêcher quand même parce que pff, oh, le cri qu'elle a, elle pète les oreilles. Hein. Ensuite, ah, il reste là-bas, les deux là. Ferme-la. Y a pas un truc là? Ouais, tiens. Parfait. Nickel. Et la dernière en fort, je crois, il me semble. Hein. Ouais. Très bien. Bon allez, maintenant on va la délivrer, tais-toi. Ah, je serais assez tenté de lui tirer dedans, hein, mais ça va être un game over. Examinez, ils me paieront la mort, je te le promets. Alors, voilà. Bon, on est dans une vraie histoire de méchant, hein.
Les méchants qui ont le pouvoir de lui mettre une misère tout de suite, Oléon. Mais non, on dit, on va attendre un peu. On va s'amuser encore un petit peu. Voilà, c'est typique des bonnes histoires avec les méchants et les gentils. Bon, allez. Eh ben, c'est parti. Oui. Allez. On va essayer de pas faire le con quand même. Voilà. Mais écris pas. Et il reste. Attends, je recharge. Parce que derrière, ça va bouger dès que je t'aurai. Bah, reste pas devant, si, toi, Maline. Ah oui, voilà le problème de ce fusil. Ah. Voilà. Ah, yes. Talk about near-death experience. Ashley, get out of there! Alors, elle est où elle? Où est-ce qu'elle est? Ils arrivent d'où le mec? Ah, il est là. Voilà. D'accord, mais ils sont à là. Ok, lui. On recharge. Ok, lui. Oh non. Le bal. C'est vrai que ce qui est embêtant avec ce fusil, c'est que je perds ma visée à chaque fois, quoi. Je suis obligé de. Ah bah ouais, voilà. Ça, je m'en doutais. Je m'en doutais que j'allais la tuer. Tant pis, je garde ce fusil. Ah, faut que je recommence encore toute la pièce. Bon, tant pis, on recommence. Bon, je vais changer mon fusil. Parce que je vais vraiment trop galérer, ça m'embête. Tant pis. Mais je vais vendre le. Je le vends. Tant pis, je vends ce fusil. Il est là. Is that all, stranger? Hop, what are your boys? On achète le fusil. Is that auto, voilà. Ok. Thank you. Ensuite, il me faut la lunette qui va avec. Is that all? Voilà. Donc vous allez voir, cette lunette est beaucoup mieux. Quand on tire, on n'a pas besoin de recharger systématiquement. C'est que c'est nettement mieux. Ok. Allez. Rapide, tu arrêtes pas de gueuler. Alors on y va. Est-ce que si on fait les choses proprement? Donc maintenant on va attendre qu'ils arrivent, les pépères. Ils arrivent là. Ici, d'accord. Ah merde. Oh, je tire dessus, merde. Voilà. Ah, il y a lui, très bien. Voilà. Ensuite. Où est-ce qu'elle va? Elle va par là, très bien. On va la suivre. Eh oui, t'as pas la clé! T'inquiète! La clé, tu vas l'avoir! Enfoiré! T'es où? Ah ouais, d'accord! Oui! Fini? Ah, ouais. Merde, je l'avais. Ah non. Ah, puis je suis à vide. Non, sans déconner. Oh,
Je suis à vide, la merde. Ça, c'est la merde. Alors... Oui. Voilà. Pourvu qu'il meure. S'il n'y en a pas d'autre. D'accord, bah sors. Parce que moi, je peux plus rien faire pour toi, ma pauvre. Ok. Eh ben, c'était chaud patate, hein. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Donc là, maintenant, on a une phase avec Ashley. Vous voyez cette phase là de snipe qu'on vient de faire? Non, dans le mode facile, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'archer qui arrivait par exemple. Ça, je m'y attendais pas. Ça m'a surpris. Du coup, j'ai cru être tranquille au niveau des munes. Et puis, vous voyez, j'ai eu la surprise. Bon, allez, on sauvegarde. Donc, elle sort d'une lampe de on ne sait où. Mais c'est pas grave. Elle là, c'est l'essentiel. Ah oui, ici on peut pousser. Attends, mais merde, t'énerve pas. Voilà. Et ça nous donne. On appuie sur l'interrupteur. Ouais. Voilà, bon. D'accord. Est-ce que ça a fermé quelque chose ou pas? Est-ce qu'on avait accès à autre chose derrière? Voilà. Du coup. Non. Bon, ok. S'il faut, on repoussera l'armoire pour appuyer sur l'interrupteur s'il y a encore besoin. Hein. Alors très bien, donc là ça a ouvert quel... ça a ouvert quoi? Donc là pas besoin, on passe en dessous, très bien. Il faut qu'on passe où maintenant? Ici c'est fermé. Là ça ouvre quoi? Bon, on va voir, très bien, ça ouvre la bonne grille. Mais ça enferme une autre, d'accord, bon. Hop, ensuite. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah, vous avez obtenu la tablette de pierre. Bon, on verra bien ce qu'on en fera plus tard. On appuie dessus pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça ouvre derrière nous. C'est tout? Ah, il faut peut-être du coup, il faut peut-être... Attends, je vais repousser celle-là. Non, il faut pousser encore. Il faut peut-être que je rappuie sur celui-là. Parce que maintenant que je suis passé par là. Alors. Est-ce que ça va m'empêcher d'avancer ou pas? Non, c'est bon. C'est bon. Ici, on trouve quelque chose. Ouais, de l'argent, très bien. Là-bas. Qu'est-ce qu'on a? Très bien. Et ensuite. Eh ben on ouvre. Eddie, elle fait pas mine quand elle ouvre une porte avec ses petits bras là. Oh, comme j'aime pas l'ambiance. Ah tiens. Y'a. Qu'est-ce qu'on a à prendre? Voilà. Hop. Donc. Ici, dans cette pièce, qu'est-ce qu'on a? On a deux armures, super. Ah, ça sent, on sent bien l'arrivée, la connerie, évidemment. Hein. Examiner. Non, on peut examiner ou pas? Non. Bon. Examiner. Alors, ah ouais. Alors, il va y avoir du... de l'ellipse, hein, parce que là c'est un, je sais plus comment t'appelles, un taquin, je crois qu'on appelle ça ce jeu. Donc, et puis je suis complètement nul à ce genre de truc, donc je risque d'y passer une plombe. Donc, ce qu'on va faire, ben je vais faire une ellipse, hein. Le temps de régler de le faire, quoi. Voilà, tout simplement. Ah yeah! Eh ben, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais ça a été très très long. Qu'est-ce que je peux détester ce genre de puzzle? Bon, on a enfin ouvert la porte. Puis c'est chiant. Franchement, ce genre de puzzle dans ce genre de jeu, ça casse vraiment le rythme, c'est une horreur. Heureusement que vous avez l'ellipse, hein, parce que. Ça rend tout vraiment chiant, quoi. C'est dommage qu'ils aient mis ce genre de puzzle. Vraiment, c'était une très mauvaise idée. Alors, sinon, on va faire le tour de la pièce. Là, il n'y a rien.
Ici. Petit trésor, très bien. Ensuite là, non. Ici là, et maintenant. Et c'est maintenant qu'on rigole. Oh, puis alors attendez. Examiner. Ah, super. Ouais. Très bien, les gars. Hop là. Allez. Hop, hop, hop. On a eu de la chance. J'étais en stress là. Je vous promets que j'étais en stress. Bon, alors. Ici, il va falloir faire cool parce que. Voilà. Il y a deux. On va voir les chevaliers. Enfoiré. J'avais une chance sur deux, j'ai appuyé, mais. Trop tardivement. Et c'est le même. Ah vache. Du coup, j'ai fait l'autre. Je me suis dit non, ils vont pas me faire deux fois le même QTE. Eh ben si. Bon, allez, vite. Et là maintenant, on est tranquille. Voilà. Ah, il y en a encore un là. Non, non. Voilà, trois fois le même. Eh ben. On finira mal en point quand même. Hein. Voilà, donc c'est par ici. Puis là, j'ai plus rien pour me soigner du coup. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. Non, mais hey, sans déconner, ils déconnent. Là, ils abusent. Hein. Trois fois le même QTE. Bon, allez. Hop. On ouvre. Voilà. Bon, en plus, je crois qu'on a récupéré tous les trésors, donc ça c'est bien aussi. Allez, on fait. Piloter le bazar, nickel. Hop, on prend l'échelle, et normalement, si je dis pas de bêtises, on va. Oh, bah tiens, déjà ça, ça c'est bien ça. Et logiquement. On sort là, voilà. Leon, Ashley, je vous sais bien. C'est bien trois coups de hache en pleine gueule, mais tout va bien. Et il n'y a pas une trace de sang sur son petit ensemble blanc immaculé. Let's move on. Là, du coup, ouais. Et ben, vous savez quoi, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, hein. Je m'en suis encore une fois pas trop mal sorti, il y a eu quelques loupés quand même, mais bon voilà, ça va, franchement ça aurait pu être nettement pire, j'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, salut, bye bye.